Retour, elle, j'espère que tu m'entends bien. C'est bon, j'ai réglé mon problème de 4G. En fait, j'ai mal connecté un USB. Je suis désolé, ça va couper. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Et puis on est là jusqu'à 3h. Ah, on commence très très mal, mais bon, c'est pas très grave. J'espère que tu m'entends bien. Que tu entends bien le jeu aussi, le son du jeu. Donc, du coup, c'est parfait. Et bonjour à ceux qui vont arriver par la suite. Et bonjour à ceux qui auront la rediffusion sur YouTube, bien entendu. Voilà. On est paré, on est sur Dragon Quest 11, PlayStation 4, PS4 Pro exactement, c'est la version japonaise qui sort aujourd'hui au Japon. J'ai à peu près 3h30 de jeu depuis hier soir, j'y joue. Et autant dire pour l'instant je suis assez conquis, c'est assez long à se mettre en place, mais le jeu est vraiment très très bien. Et voilà, c'est long à se mettre en place comme tout Dragon Quest, certains s'insurgent peut-être sur les musiques, mais moi je les trouve pas mal pour l'instant. Ok, pas grave, ouais, je sais, toi, mais là, des petits soucis de direct, comme on dit, c'est les aléas du direct, bien entendu. Bon, allez, on va switcher directement sur l'écran du jeu, hein, c'est quand même un peu mieux, hein, ouais, on va faire ça tranquillement. On switch dans le jeu, voilà, Dragon Quest 11, je me remets comme ceci, et on est là à peu près jusqu'à 3h, 3h30, donc du coup, à peu près 4h de live, 4h de live environ. Et on va continuer ma quête principale. Mon personnage se nomme Chou. Je vais nommer Chou, bien entendu. Hein. Voilà. Ouais. Est-ce que tu entends bien le son du jeu? Est-ce que tu m'entends très très bien au niveau de mon son de ma voix? La voix, ça doit être parfait, je pense. Après le jeu, il faudra me dire si j'augmente ou si je baisse au fur et à mesure. Voilà. Donc, du coup, on doit aller au point rose. C'est par là-bas. Allez, allons-y. J'y étais tout à l'heure, mais je faisais le tour du village jusqu'à ce que je me rende compte que ça marchait pas très très bien ma connexion 4G. Ah, ça fait plaisir de jouer à un gros JRPG japonais. Et puis c'est quand même la série culte au Japon, hein, Dragon Quest, c'est mythique au Japon, c'est assez énorme. Mais c'est où que je dois aller? Ah, c'est l'autre côté, c'est par là-bas. C'est par là-bas. Je dois pouvoir monter par là, exactement. Et là, on fait le tour, ouais, c'est ici. Parfait. Bon, lui me dit de monter, donc on grimpe. Allez. Voilà. Bien sûr, c'est tout en japonais. Et puis je disais, dans le live qui sert d'intro, on va dire, jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne fonctionne pas, le jeu sort en Occident chez nous, en Europe, en 2018, avec apparemment une traduction française. Donc du coup, ça c'est parfait, ça a été annoncé hier. Le jeu sort en France chez nous, et c'est un très bon point pour Sony et la PS4, et aussi pour la version 3DS, qui, franchement, la version 3DS, il paraît que c'est vraiment super, elle est vraiment géniale. Allez, c'est parti, on avance. On continue le jeu. Sans prise de tête. Enfin, ça fait plaisir de te revoir. Merci Tourelle, merci. Ben, profite des vacances et puis bon, moi j'ai ma formation à faire, donc du coup j'ai pas mal d'exercices, de devoirs. Je suis comme si je reprenais l'école en fait, hein, tout simplement. Puis Némi-san n'est pas là non plus, elle a trouvé du travail et voilà, je reprendrai les lives. On refera un gros live sur Euro Truck Simulator 2 en fin août, je pense. Et après, on reprendra qu'un début octobre parce que je pars presque 3 semaines à Tokyo en septembre, voilà. Donc là, ça doit être ici. On doit aller dans la cour du château. Il ne voulait pas que je remonte, donc du coup on y va, on passe par là. C'est parfait. Ok. C'est assez immense là. Je vais aller voir là-bas. J'espère y trouver des coffres, parce que pas mal, comme dans tout JRPG, il y a des coffres un peu cachés. Et ben voilà, il y a un coffre ici. Ah, je peux pas y aller. Ah, je peux pas y aller. Le syndrome du mur invisible. Je ne peux pas le prendre pour l'instant celui-là. Est-ce qu'il y en aurait un par là-bas? Ah, je veux dire, j'ai rien eu. Si, j'ai eu de l'argent. Un petit peu d'argent. Ah. J'ai eu peur de ma 4G quand même. Est-ce que tu entends bien le jeu? Est-ce que je dois pas trop le remonter ou le baisser? Il n'y a pas moyen que j'aille chercher le sous-coffre pour l'instant. Attendez. Je peux pas passer. Ah si, je peux y aller. Cool. Passer à travers le buisson. Un petit coffre. Ok. On continue. On va essayer de vite sortir de cette ville pour aller voir un peu les combats. Vous allez voir, les combats, c'est vraiment du tour par tour à l'ancienne. C'est vraiment un jeu à l'ancienne, hein. Il fait un peu penser quand même à Dragon Quest 8 au niveau du cel shading. Je trouve vraiment très très sympa, moi en tout cas. Parfait, nickel toi, merci à toi.
L'ambiance est là en tout cas, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? Y'a pas eu un truc là? J'ai rêvé. Ok. Alors regardez-moi ça quand même. C'est vraiment sympa. Franchement, c'est très joli. Et bah, du coup, je dois aller au fond, au château. Et on y va. Je crois qu'il faut aller voir le roi si j'ai compris les dialogues. Voilà, on est parti pour un gros live. Ah, je peux pas y aller. Ah, je peux pas y aller. C'est peut-être celle-là que je dois aller. Ici. Allons voir ça. C'est bizarre, il m'a dit de venir ici. On va aller faire toutes les portes, on verra bien. Hein. Bonjour. Bonjour mademoiselle. On va grimper. Je peux y aller là. Non plus. On va pouvoir prendre ça. Je casse. J'arrive chez vous, je casse tout. Hein. Je suis désolé. Vous m'avez pas vu, je m'en vais. C'est bizarre, j'ai pas de point. De point de maquette là. Qui apparaît. Bon, on va aller en face. On y va, on y va. Tranquillement. C'était ici, voilà. Alors monsieur. Alors comme je disais dans ce live qui a foiré au tout début, j'arrive à comprendre certaines choses en japonais, j'arrive à traduire, je traduis pas tout, malheureusement je peux pas tout traduire, c'est très compliqué. Mais j'arrive à comprendre les bribes de l'histoire et voilà, comme j'expliquais, justement tu me dis, du coup tu parles japonais, mais je l'explique là, voilà. J'arrive à comprendre certaines bribes, je comprends pas tout, alors, il faut être honnête, je comprends pas tout, mais bon, je pouvais pas attendre de faire le jeu en français, quoi, voilà. Et je passerai certainement à côté de certaines choses, comme dans tout JRPG japonais que je fais, mais ça m'empêchera pas de comprendre l'histoire à peu près et la trame principale. Alors ici, c'est mon premier compagnon trouvé. Sur la route, c'est Camus. Il a vraiment la classe. Il va le frapper. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on retrouve vraiment la patte Toriyama. Ça. J'ai bien peur que ce soit le dernier Dragon Quest avec Toriyama, malheureusement. Apparemment, il en aurait marre de faire ses jeux. Il en aurait marre de certaines contraintes de Square Enix. Parce que Square Enix lui pose certaines contraintes, apparemment, sur ses designs de personnages, tout ça. Alors que lui, il les trouve vraiment bien comme il est fait. Apparemment, il en aurait marre. Ça fait plusieurs épisodes qu'on entend ça. Donc, j'ai bien peur que ce soit le dernier épisode de Dragon Quest avec Toriyama. J'imagine même pas la suite pour l'instant. Sourire. Pour l'instant, c'est quand même assez long à se mettre en place, comme je le disais. Bon, je suis qu'à 3h30 de jeu, c'est assez long à se mettre en place, comme tout Dragon Quest. Je me fais pas de soucis, ça va démarrer. Donc, du coup, on repart. Ok, c'est juste strident de pas entendre les personnages parler, mais bon. Ah, c'est c'est Dragon Quest, hein, il faut s'y faire. C'est un jeu à l'ancienne, hein, ils veulent pas, voilà. Ils veulent pas... comment dire? Ils veulent pas changer la tradition de Sai, voilà. Alors que ce Dragon Quest Heroes, je crois qu'il y avait les dialogues, il me semble. Les voix. Après, voilà, quoi, il faut s'y faire, hein. Ils veulent pas froisser les puristes de la saga au Japon, parce que c'est quand même la saga la plus connue de JRPG au Japon, donc imagine. Puis les fans, ils s'en foutent. Oh,
une sacrée armée, attention. Ok. Si je reviens à l'intérieur un peu, est-ce que je peux lui reparler? Je vais aller fouiller sa maison au passage. Alors, qu'est-ce que... Ah, j'allais dire, je peux y aller là, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu caches dans ta maison là? Je vais aller à l'étage. Je peux pas ouvrir là. Ah, moi j'aime bien fouiller. Hein. Moi je prends toujours mon temps dans les JRPG. Il faut prendre son temps de toute façon. On n'est pas là pour rusher l'histoire. Allez. Parfait. Il n'y a rien d'autre. Donc le château. Ah, la musique est cool. Je vais voir ici. Oh, un buffet. Il aurait des trucs à casser là, non? Même pas. Même pas. Je peux pas manger un bout là. Ok. Ah, Portal, ouais, j'aime beaucoup. J'ai surtout adoré le 2, il est vraiment génial. Et bah, je peux pas y aller. Ok, bah allons-y, partons. Partons. Ouais, j'aime beaucoup Portal, ouais. Puis le 2 en coop était vraiment sympa. On en parlait avec Nemissa pour le faire en live, passer un moment. C'est peut-être l'occasion. Un de ces jours, pourquoi pas. Tu me dis la même chose que tout à l'heure, toi. Ok. Allez, on va partir. Et on peut ce que l'on doit faire. Toujours les troubadours ici. Regardez l'armée. Ils m'attendent. Vous allez pouvoir me laisser passer, hein. Même pas. Même pas. J'aimerais bien, ouais. Pourquoi pas, ouais, ce serait pas mal. Ça me dirait bien. On va revenir. Cette musique, elle est archi connue, mais... elle reste dans la tête tout le temps, quoi. Il y a des beaux jardins là. Ça me fait une référence. Tu regardes mon profil. Ah, j'aurais adoré ton profil alors. Bonjour chien. Ah, truc à casser ici. Allez, donne-moi de l'argent. Même pas. Bon, toujours ça de prix. Je peux pas sortir par là-bas, c'est bizarre ça. Bon, je prends la petite sortie, on va voir. Allons-y. Est-ce que je peux rentrer ici maintenant? C'est toujours lui. C'était l'autre maison en face que je pouvais pas y aller. Ok. Bon, on y va. On va repasser par là, je suis arrivé à la base. Rien d'autre. Ok, pas de coffre, c'est bon, continue. Allez. Pardon, pas de temps. Passons par ici. Là-bas. Ah, ok.
Et par ici. Ouais, par là. Oh, il y a tout qui est cassé ici, tiens. Encore là aussi. Parfait. Je veux de l'argent. Non, pas d'argent. Tant pis. Allez, revenons là où j'étais. Juste avant de commencer le live. Alors, je sais pas vous, mais en tout cas, moi je trouve qu'en distance, quand on marche, ça fait long. C'est assez gigantesque, je trouve. Faudra me le dire aussi dans les commentaires. Au niveau de du replay, si vous trouvez que les distances sont longues. J'ai l'impression de marcher plus longtemps qu'avant, quoi. Et c'est vrai que c'est assez gigantesque. Regardez-moi ça, quand même. C'est grand, hein. C'est très grand. Ouais, ils sont contents, là. Je mets longtemps à traverser. On va les sauvegarder et on va continuer. La petite église improvisée pour sauvegarder, très pratique. Allez, je dois être à 14 de jeu environ. Parfait. Vive les chats. Oh, il y avait un chat. J'ai pas vu le chat. J'ai pas vu le chat. Je n'ai pas vu le chat. Ta-da-da-da. Attention! Musique s'emballe! Je veux mon cheval. Est-ce que je peux l'appeler là? Il y a un truc pour l'appeler ou pas? Regardez quand même. L'architecture du jeu quand même. Il est pas beau lui. On va se le faire. Allez hop, on va voir les combats comme ça. Directement, on rentre de plein pied dans le jeu. Bon, lui c'est automatique. Bien sûr, ce qui est comme dans tout Dragon Quest, le boomerang c'est très très utile, surtout au début du jeu, dans les premières heures. J'ai oublié de te demander, penses-tu que le 3 va sortir? Ah, Portal 3, je sais pas du tout. Alors là, tu me poses une colle. Je sais pas, mais à mon avis, c'est pas pour de suite. Hein. C'est jamais... je te rappelle qu'on attend depuis Half-Life 3 depuis un moment quand même. Donc Portal 3, à mon avis, on est pas prêt de le voir. Ça va bien que je prenne niveau 7. Eh, un petit coffre en plus. Parfait. Alors, on va où? Oh, la cascade. Allez, on va se le faire. Moi, j'aime beaucoup les combats. Le tour par tour, ça me déplaît pas. C'est vraiment l'ancienne. Je suis un vieux de la vieille, donc... Allez, un petit coup de boomerang. Allez. Très utile. Très efficace. On va se faire, voilà. Alors, j'ai opté pour une arme à une main plus le bouclier. On peut changer à tout moment. On peut prendre... mais bon. Je préfère augmenter pour l'instant comme ça. Et on peut prendre des armes à deux mains aussi. Épée à deux mains, voilà. J'aime bien le bouclier, c'est très bien pour la défense, surtout dans les premières heures. Il faut pas mal de défense. J'ai pas de cloche, une cloche là qui apparaît là pour appeler mon cheval.
transformation. Alors j'ai une attaque spéciale aussi, je vais la faire, je vais te montrer. Je vous montre les amis. Voilà. Et ça on peut tourner la caméra pendant les combats. Très efficace. Tu n'es pas un vrai joueur. Tu n'as pas joué à Fly 1, 2 et Portal 1 et 2. Ouais, c'est clair que si on n'est pas un vrai joueur, si on n'a pas fait tout ça. Ah mais Half-Life 3 il sortira jamais tout ça. Il sortira jamais. Voilà, comme je disais, Camus, le héros qui est avec moi, mon compagnon, il est en automatique, on peut à tout moment le mettre en manuel, hein, le faire nous-mêmes. Pour l'instant, au début du jeu, ça convient très bien. Il reste en automatique et moi je fais manu. Attention, j'arrive. Allez. Attention, on va te fracasser. Hop, ils sont un peu de vie. Alors ça c'est attaque combinée, mais je vais pas la faire hein, contre ces ennemis là, on va... Oh quoi que, allez je la montre. Attention, attaque combinée, c'est la nouveauté de ce jeu aussi, attaque combinée entre les compagnons. On va se faire sur celui-là, c'est parti. Ça c'est classe. On va dire que je l'ai enfumé le pauvre. Allez. Je me dis qu'on pourrait relier Portal 3 à Half-Life 3 car la fin de Half-Life 2, épisode 2, me le fait dire. Ah oui, il y a peut-être des similitudes, ouais, tout à fait. Exactement. Ok. Ouais, niveau 7, super. J'ai pris 3 points de... J'ai pris 2 points. Non, 3 points, pardon, de... Pour l'arbre de compétences. Je vais pas le faire, mais je vais montrer l'arbre de compétences quand même. Tant qu'à faire, j'ai 5 points. Et Camus, il a 5 points aussi. Là, c'est l'arbre de compétences. Il est assez, c'est assez long à augmenter, je pense, quand même. On peut choisir où on veut. Moi, j'ai choisi, pour l'instant, l'arme à une main plus ce bouclier. Voilà, si on va là, on peut changer à tout moment, on peut choisir ce qu'on veut. Cette attaque-là, et après on peut augmenter pas mal de choses. L'arbre de compétences comme vous voulez, voilà, tout simplement. Là, plus 5%, etc., etc. Comme vous voulez, c'est une sorte de sphérié, mais ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Et chaque personnage a bien sûr son sphérié. Lui, je vais le garder pour l'instant, on verra ça par la suite. Pour l'instant, il garde le boomerang, donc du coup, ça vaut pas trop le coup d'augmenter. On verra peut-être par la suite si j'y mets une arme à deux mains ou autre chose, quoi. Voilà. Quand on parle d'aperture science. Ah, tout à fait, ouais. Allez, un petit coffre pour la suite et... Super. Alors, les menus. Attention, il vient sur moi, lui. Alors, quand vous choisissez un équipement dans Dragon Quest, on le voit pas en temps réel. Malheureusement, ça change pas quand on joue. Ça, c'est un peu dommage. Donc du coup, non, je vais l'augmenter sur, je vais le changer sur Camus. Voilà, il passera à 21. Ça c'est très très bien. Alors non, ça, ok. Voilà. Gagner un peu de force, de défense et bah, on est bon. Tu gardes ton boomerang et c'est parti, on continue. Les animations des personnages sont vraiment très sympas. Des ennemis aussi, ça c'est très bien. Bon, je rappelle, c'est le début du jeu, donc du coup, c'est assez simple. Ta, ça remet de la vie. Allez, je vais utiliser 2 MP quand même. Allez. Boum. Il est mort. Le boomerang, l'arme ultime pour le début des jeux Dragon Quest à chaque fois quoi. Alors on avance. J'aime bien vous montrer le cheval. Je crois qu'il y a une cloche par là, il y a un petit campement. Peut-être que dans le campement je peux vous montrer.
appeler mon cheval. C'est quoi ça, un vendeur ambulant? Eh ouais. Ah, tu me vends quoi, monsieur? Une dague, ok. 270, une nouvelle arme, ouais. Un bouclier, non. Un casque, non. Une tenue, peut-être une tenue pour Camus. On va laisser ça comme ça. Je vais garder mon argent. Et là, tu vends quoi d'autre sinon? Ok. Allez, je m'en vais. Ciao. On va revenir en arrière, au village du début. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Oula, c'est quoi ça là? Le campement, on le voit, il est là-bas. Allez, on va se le faire lui. Boum! On va te dégommer, espèce de gobelet. Allez, boum! Faut bien faire du level up dans les Dragon Quest, de toute façon. Hein, donc, et allez, hop! Level suivant pour Camus. Du coup, il a 8 points maintenant. On va pas tarder à l'augmenter. Allez, tout droit. On avance. Bon, eux, je les aime bien, on va le faire. Ils sont trop stylés. Trop stylés. Dans ce Dragon Quest, il y a toujours des donjons et des boss comme dans les précédents opus. Oui, tout à fait, Zyrex. Salut, Zyrex. Bienvenue à toi sur ce live. J'ai pas fait vraiment de gros donjons pour l'instant, mais normalement, il y en a. Ouais, tout à fait. J'en suis qu'à 3h30 de jeu. Donc du coup, oui. J'ai déjà eu un petit boss au début du jeu, mais pas grand-chose pour l'instant. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, le jeu s'inspire pas mal de Dragon Quest X, hein, le MMO. Donc du coup, à voir par la suite, mais je peux pas te confirmer à 100% pour l'instant. Théoriquement, oui, normalement, il y en a. Banzai, allez! Voilà, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions hein, pour le peu que j'ai fait pour l'instant. Si je peux vous renseigner. Le jeu, pour info, si vous n'avez pas vu l'info, il sort l'année prochaine en Europe. Il a été confirmé hier par le producteur. Ça, c'est très bien. Et apparemment, ils sont même produits en français. Donc, du coup, ça, c'est très fort. Le faire là. Moi j'ai beaucoup le levelé au tout début du jeu hein, pour prendre vraiment du level pour pas être bloqué dès les premiers boss. J'aime pas trop rusher, moi je prends mon temps. Ce sont les Dragon Quest, moi quand je suis dessus, j'y reste un moment. Vous. Attention, j'ai quand même plus 15 HP donc du coup, attention quand même. On va se mettre à des HP, on sait jamais. Parfait. Moi j'aime bien prendre mon temps, comme je vous le disais. Moi je vous parle, c'est mon Dragon Quest 7, mon préféré. Hein. Le Dragon Quest 7 où il y a beaucoup de dialogues, souvenez-vous. Je l'ai fait sur PS1 à l'époque. Et refait bien sûr sur 3DS. C'est un super jeu que j'adore, que j'adule. Ils sont trop mignons ceux-là. Est-ce qu'il y aura une coffre par là, tiens? C'est bien des coffres. Oh, une vache! Bonjour. Ah, mais elle parle. D'accord. Je me demande pourquoi une vache est là. Ok. Alors, on va aller par là-bas pour voir. On va voir ce qu'il y a. Un coffre. Eh ben voilà, chercher des coffres. Il est vide. Non mais sérieux. Moi c'est le 8 mon préféré. Je l'ai fini 2-3 fois. Il était tellement bien sur PS2. Ah ouais, il est énorme le 8 hein. Le 8 était... Mais c'était vraiment celui-là qui représentait vraiment un gros cap. Dragon Quest 7 était vraiment sur PS1 à la base. Donc on passait un cap graphique déjà. Un gros cap graphique avec la PS2. Puis bon,
L'immensité du jeu était vraiment énorme. Alors, je vais aller en face parce qu'apparemment il y a le chemin que j'ai pas vu. Allons-y tous ensemble. Un petit live marathon aujourd'hui. Bon, on va se faire lui. Ça n'a pas qu'à faire si je peux prendre du level. Hop là. L'animation des monstres est toujours aussi top. Ouah, critique. Allez, 28. Parfait. Comme je disais tout à l'heure, quand on a fait l'attaque combinée, c'était vraiment une nouveauté de Dragon Quest 11. Mais il y a une nouveauté, je crois que c'est une nouveauté dans cet épisode. À chaque level, on récupère nos HP et nos MP. Il me semble que c'est une nouveauté de cet épisode. Il est pas beau, on va se le faire. Allez hop, un champignon en moins. Parfait, parfait, parfait. Ouais, c'est là. C'est ce chemin ici. J'espère qu'il y aura un coffre encore, mais qu'il ne soit pas vide cette fois-ci. On parlait de Dragon Quest 8, mais cet ennemi n'est pas pareil dans Dragon Quest 8, il me semble. Il était plus gros, il me semble. Allez. Boum. Une belle attaque de Camus. Du coup, maintenant, faut taper le monstre pour déclencher un combat. Tu peux, ouais, tout à fait. Tu peux tourner autour. Mais je crois qu'il peut t'attaquer, lui, hein, si tu l'attaques pas. Tu peux, comment dire, il peut te foncer dessus aussi, hein, bien entendu. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Boum, allez. Ah, mais je pense avoir les trois. D'accord. Ah, tu nous as loupé, tu m'as pas empoisonné. Ah, ah. Et boum, dans tes dents. Alors, y a-t-il un coffre par là? On va grimper, on va regarder. Je le sens bien. Je sens qu'il n'y aura pas un coffre vide cette fois-ci. Coffre, je l'ai vu. Allez, monte. Un truc qui brille là aussi. Allez, hop, on taille. Une belle petite cascade. Il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Ok. Allez voir le coffre. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. Allez, une arme, ce serait bien. Ok. Ah, y a un truc là. J'allais dire, c'est quoi qui m'a attaqué? D'accord, ok. Et à gauche, on va aller au campement et j'espère pouvoir appeler mon cheval, ce serait cool. Chose qui est bien avec le cheval, c'est qu'on peut foncer sur les ennemis et les tuer. Comme les slimes bleus classiques du début du jeu en général. Mais par contre, on gagne pas d'XP avec. On fonce dedans directement. On s'en sert de bulldozer. Sa langue à lui. C'est bon, c'est bon. Un coffre. Ok.
Un petit camp pour la sauvegarder aussi. On peut sauvegarder sur les camps. C'est très bien. En plus de l'église. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il veut qu'on se repose. Voyons voir. Ah, une musique que j'ai pas eu depuis le début du jeu. Alors pour info, vu que vous êtes là, sur PS4 Pro, et j'ai activé le mode boost, voilà. Mais par contre, je sais pas, excusez-moi si vous entendez la PS4 Pro, mais ça ventile, hein, avec ce jeu, ça, pff, c'est incroyable. Ah, on va pouvoir crafter les amis. Alors c'est le système de craft de Dragon Quest X qu'ils ont repris. J'espère qu'on va pouvoir tester de suite, hein, et apparemment c'est pas mal du tout ce système de craft. Je pense qu'on va pouvoir le tester de suite. Testons le craft. Ouais, on va crafter. Et allez hop, on met les ingrédients dedans. Alors, Tataku, ok. Plusieurs zones. Ok. Alors Tataku. Là on choisit la zone qu'on veut crafter. Et plus on est dans le vert, plus on réussit en fait l'équipement quoi, tout simplement. Alors on va commencer par cette zone verte. Alors, ça s'arrête tout seul automatiquement, hein. D'accord. Alors, on va refaire Tataku, on va faire le deuxième. Bon là, ça fait un peu une forme bizarre là. Hein. Et on a plus de. Et on a plus de précision sur la sortie du jeu en Europe, à part quand c'est l'année prochaine. Non, l'année prochaine, ils l'ont annoncé hier, en 2018. Bon, pourquoi, je sens que ça va être l'été 2018, un truc comme ça. Ouais. Allez, on continue. Ça... Oh, c'est une épée. Donc du coup... Bien, parfait. Je pense que j'ai... je peux pas le louper, en fait, le premier, je crois. Je pense que le premier, je peux pas le louper. Parfait, tout est bon. Et là, on finit. L'épée est finie, parfait. On est parce que là, si je rappuie, si je refais un tataku là, ici, j'ai peur que ça sorte. Donc du coup, je vais pas tenter et je vais gagner mon épée. Parfait. Pas mal le système de craft. Système de craft, comme je l'ai dit, de Dragon Quest numéro 10. Youhou! Une belle épée à deux mains. Mais moi, j'ai, malheureusement, j'ai une épée à une main. Je préfère garder les épées à une main pour l'instant. On va peut-être équiper peut-être à Camus pour voir ce que ça donne. Alors, pas mal. Le système de craft, en tout cas, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le craft, ça va me plaire. Voyons voir. On va voir. Alors, l'épée à deux mains... Ah, c'est celle-ci. AKM42. J'aime bien le boomerang. Le boomerang au début du jeu, c'est vraiment utile. Hein. Je vais la garder au cas où. J'ai rien eu d'autre sinon. Non, j'ai rien eu. J'ai pas d'équipement, pas d'accessoires, rien du tout. Oh, on doit aller là-bas. Allons-y. Bonjour le chien. Tu m'emmènerais où là? D'accord, faut que tu me... Attends, je casse ça d'abord. Hein. Je veux des ingrédients, je veux de l'argent. Y'a pas d'argent? Même pas. Ah, peut-être mon cheval. J'ai pas vu s'il y avait une cloche. Je vais sauvegarder, rapidement. Bon, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. N'hésitez vraiment pas à me dire sur le jeu en lui-même. Hein. C'est quand même un gros JRPG, la grosse série japonaise. En tout cas, moi j'adore. Mais pour l'instant, je suis bien dedans. C'est long à se mettre en place, mais je suis bien dedans.
Et ça, c'est bien ça le principal. Il n'y a pas une cloche là. Ah, mais c'est mon cheval ça là-bas. Non. Il n'y a pas de cloche pour le cheval. Vu que je peux pas repartir par là-bas, je crois que c'était mon cheval là-bas. Mais je peux pas repartir vu que c'est le pont est cassé. Est-ce que je peux refaire le pont là? Attendez. Non. Pas un truc là, hein. Y'a rien. Non. Ok, bon bah c'est parti, on va là-bas, hein. On va à l'objectif, hein. On verra bien. Il faut reconstruire le pont. Et on avance. Oh oh. D'accord. Alors vous pouvez voir que la main du héros a une marque. C'est pas encore signifié dans le jeu pour l'instant. On le voit au tout début du jeu. Oula, c'est quoi ça? On doit se remémorer certaines choses, peut-être des flashbacks. Ah, le monsieur voit le pont cassé. Ok. Le carré design, il plaira pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et puis bon, Toriyama, quoi, hein? Quand j'y pense, t'avais pas dit fin août les lives? Eh oui! C'est un live qui était pas prévu. Je comptais vraiment pas le faire. Mais vu que en septembre je suis pas là, du coup on fait le live Dragon Quest. Je comptais le faire de mon côté pendant les vacances tranquillement, peut-être vous faire un test plus tard, mais c'était pas prévu. Et revenir fin août pour un live ETS2 en général. Et il y aura un live ETS2 fin août, mais bon, voilà, c'est un live improvisé. J'ai dit hier, je vais le faire. Je vais faire le live. Puis bon, c'est pas tout le temps que ce soit en Dragon Quest, merde. La musique est pas mal du tout là. Non, en septembre, je suis pas là du tout. Je suis à 10 000 km. Je suis à Tokyo en septembre. Je pourrais pas faire de live malheureusement. À part que Nemesa vous en fasse un ou deux, je sais pas. On verra si elle est présente en septembre. Mais je m'énerve pas, moi. Moi, je m'énerve jamais, moi. Il en faut plus, ça, pour m'énerver. Faut aller là-bas. Ok. Allez, on retourne. Un petit tour en arrière. Vers le chemin, il y avait le coffre vide, il me semble. Ah, il pleut. On va faire un petit combat. Oh, un petit slime. C'est bien, on va prendre du level. Il faut. Le coffre est revenu. Et ouais, et flashback, ça modifie certaines choses. Et voilà, c'est l'ennemi.
Eh ouais, bah attends, t'as pas vu la classe qu'on a, nous, quand même? Tu comptais m'avoir avec ça, non mais. Attention, combat de brasse. On va se le dégommer. Putain, flippant, il va lâcher une attaque. Bisous un jour, tu m'étonnes. Allez. On va se le faire. Boum. Ah, mais quand même! Bah, lâche-moi! Ouh, double attaque! Tu vas prendre cher! Il m'enlève quand même 11, c'est cette affaire! Ouh! Ça va être des HP! Pas encore orange rouge, donc du coup il a de la vie, il a masse de vie. Transformation. Je remets de la vie à mon compère quand même. Voilà, toujours très utile. L'enfoiré. Allez, je sens bien qu'on fasse attaque combinée, cool. Justement, je le dis, c'est parfait. Attaque combinée, les amis. On va se le manger. Banzai. Nouveauté de cet épisode. Ah ouais, là, il a pris cher. Il est pas mort encore, hein. Il s'est remis de la vie. C'est vrai que ça me consomme que 2 MP. Ouais, il est bientôt mort. Il est bientôt mort. On va remettre de la vie quand même à Camus. Voilà. C'est ça que je voulais faire, punaise. C'est pas grave. Je peux pas me mettre en défense, mais... Bon, tu vas mourir? Oui, il a super attaque là. Ah, mais il est vénère, hein. Il est très vénère, hein. Il est pas content. Voilà, il est mort. Tranquille. Il y a pas mal de PV, hein. Pour un petit diablotin comme ça. Allez hop, niveau 8. Camus aussi, je pense. Et j'ai gagné 2 points pour l'arbre de compétences. L'arbre de compétences, on verra plus tard. Pour l'instant, ça va. Voilà, et c'est dissipé. Je te verrai plus. Le papy, il est là. À l'ambiance musicale. Je sais pas vous, mais franchement, je trouve notre héros pas super charismatique à droite. Notre héros, notre. Et Camus, il a quand même la classe. On dirait une fille, quoi. Sérieux. Bon, ça va, il est pas trop mal, mais. On dirait une gonzesse, quoi. J'espère qu'on va bientôt récupérer d'autres personnages. Le pont est réparé. Tout va bien. Pour retourner au village.
Je crois que c'est une reprise, ça, la musique. Allez, hop là. Je dois même avoir un trophée PlayStation, non? Même pas. Si, trophée obtenu. Ah non, ce que j'avais pris pour mon cheval. De l'autre côté du pont, c'était une vache, quoi. Ah bravo, ah bravo. Moi j'aime bien comment ils sont faits, les petits gros du métro. Marchand ambulant, tu vois ce que tu proposes toi? Encore? De plus que par rapport à tout à l'heure? Un meilleur boomerang! Ah, pas mal! 420 quand même. Alors faut que je revende des choses, mais. Je vais peut-être y prendre le meilleur boomerang parce que le boomerang c'est très utile au début de jeu. Ah, j'y prends. Ah, je suis comme ça, j'y prends. Veux-tu l'équiper? Oui, bien entendu. Voilà, allez. On vendra tout plus tard. J'ai envie d'avancer. On y va. T'as aller par là? Je crois que je suis jamais allé par là. Oh, nouvel ennemi. Sanglier. Ils sont terribles. Terribles. Voyons voir ton boomerang, mon petit. Pas mal. Je pense que niveau level, on n'est pas trop mal par rapport à là où on en est au jeu. J'aime bien faire les combats, donc du coup, ça monte assez rapidement. C'est pas grave. Un petit slime pour la route. Les fameux slimes. Swag de poule. Non, mais ils sont trop mignons ces sangliers avec le chapeau. Chapeau de sorcier. Parfait. Y'a rien là? Faut passer là, t'as. Ah non. Y'a toujours des murs invisibles dans le jeu. Ça faut pas changer non plus, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Bon, on va faire le tour. Bah ouais, ah ouais, tu m'étonnes. Ah, regardez, on va secouer l'arbre. Boum. C'est kawaii, comme tu dis. C'est kawaii. Champignons, je peux ramasser? Non. Je suis déçu. C'est la déception absolue. Pas de coffre. On va passer par là, ouais. J'ai pas mon cheval. Je veux mon cheval. Et encore les sangliers. Allez, pour la forme. Boum. Transformation. Allez, c'est bon, je suis désolé, de retour, j'ai eu une coupure 4G. Coupure 4G. L'enflure. Non, 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 c'est bon. Je suis désolé. Donc, du coup, moi, je voulais passer par là, en fait. Ça y est, je suis perdu, je suis paumé. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Il faut grimper ici. Voilà, j'espère que vous êtes de retour. J'espère que ça n'a pas trop coupé. Je suis désolé. Coupure 4G. Quelle merde. Rires.
J'attends que vous soyez de retour pour continuer. Une petite coupure 4G. C'est dur d'écrire sur portable. Tu m'étonnes, toi. Est-ce que t'as eu la coupure, toi? Est-ce que tu as la coupure 4G? Je pense que oui, parce qu'il y a tout qui a été déconnecté. Hein. Un petit coffre. Ah, ok, ça marche. Désolé. Ah, il y a des rats. Je hais les rats, j'ai une phobie des rats. Laissez tomber, quoi. Alors, c'est à droite. Je sais pas comment YouTube a traité ça. Ça s'est reconnecté assez vite, donc du coup, je pense que j'aurai pas de partie. On verra. On continue, on est de retour. On va retourner au village du tout début du jeu. Et je pense qu'après, on fera une petite pause. Pour que je mange un petit peu quand même. Je commence à avoir faim. J'avais 6 rats, mais ils sont morts. Ah ouais, quand même. Ah, les rats, je déteste. Salut à la squad. J'imagine que tu as appris sur PSN Jap. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bienvenue à la squad sur Twitch. Limite envie de le prendre, mais sans trad, ça va être chaud. Ouais, tout à fait. Moi, j'arrive à traduire certaines bribes de japonais parce que je l'apprends en même temps, mais c'est très compliqué. Voilà. Il faut être honnête, c'est clair que c'est très compliqué et tu risques de passer à côté, comme moi, de certaines choses. Même moi, je passe à côté de certaines choses. J'arrive à lire, pas tout, mais voilà. J'adore. Et ouais. Bon, je suis à 4h30 de jeu environ. J'ai commencé hier soir. On va se faire un combat, tiens. Allez. Ce serait bien que je puisse récupérer mon cheval ici, là, quand même. Alors, on peut voir que Camus, il est aura bleu, là. Donc, il est prêt à se transformer. Alors, on peut faire l'attaque combinée. Voilà, moi aussi. Voilà. Bah, vu que Ice Squad vient d'arriver, on va lui montrer l'attaque combinée. Quand on est en Fury, on fait l'attaque combinée. Nouveauté Dragon Quest 11, bien entendu. On va le faire sur lui, quand même. Et vous allez voir ce que ça donne. J'ai déjà vu montrer aux autres. Assez classe. Assez classe. Allez. Boum. Voilà. Trop stylé. Wow, le menu, pitié, je comprends absolument rien. Ah, c'est clair que le menu. Je peux t'expliquer un petit peu le menu si tu veux. Mais j'ai pas tout vu encore du menu. Hein. Ça fait peur. Le menu japonais et Dragon Quest, il fait très très peur. Ça a toujours été comme ça. Je dois aller où moi maintenant? Je dois aller où? On va aller en face d'abord. On va aller à la grotte. Est-ce qu'il n'y a pas une cloche là pour mon cheval? Depuis tout à l'heure, je cherche une cloche pour appeler mon cheval. On va gentiment attendre 2018, ouais, tu m'étonnes. Moi, je peux pas. Dans Dragon Quest, je peux pas. On va aller voir ce qui se trame là-dedans. Attends, je vois 5 minutes. Ok, Toile. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, un coffre. Petite orbe. Non, c'est très compliqué Dragon Quest en japonais, hein, c'est sûr que c'est pas le plus facile. Un RPG japonais. Mais pour l'instant en tout cas je m'amuse très bien, il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Ah, il y a une cloche là-bas, mais je crois que c'est pas par là qu'il fallait que j'aille, mais on va y aller pour voir. On va aller au campement sauvegarder. Ça change un petit peu de zone, pas mal. Pas mal cette petite zone. Belle petite zone. Il a l'air clairement génial, le dernier que j'ai fait, je crois que c'est ce petit surface 2. Ben, sûrement sur PS2, Dragon Quest 8 certainement. Et mais il y ressemble beaucoup hein, dans l'aspect graphique.
Il est très 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 bon, quoi. Pour l'instant, moi je m'éclate. Rien à dire là-dessus. Bon, on va avancer. Là, j'ai refait FF12 Zodiac. Ben, apparemment, il est pas mal ce petit Zodiac Age là. Faudrait que je le fasse. Commence à faire nuit, il pleut. Super. On va aller au campement. Des petits gobelets pour la forme. L'animation des monstres sont toujours aussi géniales. C'est trop marrant, moi j'adore. Allez, on y va. Ah, il fait mal mon nouveau boomerang. Attention à ma vie, ça devrait aller quand même, mais bon, on sait jamais. Ouf, ça tue. Alors ces petits chapeaux, c'est des sangliers. On va le faire. Je les trouve trop mignons. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà dit pour ceux qui étaient là au début du live, mais Camus, notre compagnon, je l'ai mis en automatique pour le moment. Ça va, pour l'instant, c'est tranquille. Donc je mets en automatique. Plus tard, je le mettrai en manuel. Et bon, on se met un petit peu de vie quand même. C'est pas mal, hein. C'est très mal son boomerang. Très utile, comme je disais, le boomerang au début d'un jeu Dragon Quest. Il faut vraiment prendre le boomerang. C'est très utile. Waouh, mais c'est quoi ce monstre? Allez, nous on va aller au campement sauvegarder. Et après, c'est là qu'on doit aller, il me semble. Ça me dit quelque chose. Là. Je crois que c'est là qu'il nous a indiqué le vieux papy. Le campement est là-bas et on va pouvoir prendre son cheval. Retourelle. Non mais, regardez la distance quand même. C'est propre, rien à dire. Techniquement, c'est pas irréprochable, hein, mais l'ambiance, c'est génial. Voilà, elle est là, la cloche pour le cheval. On va le prendre après. On va sauvegarder. Je suis level 8. Et on va se reposer aussi. Comme ça, on va récupérer nos PV et MP sans utiliser de potions ou autre chose. 4h58 de jeu. Ça monte, ça monte, ça monte. Alors vous pouvez crafter, les amis, la table qui est juste là, voilà, en face, juste là. Je vous la montre, mais vous la voyez pas, mais le truc qui brille, voilà. On va quand même se reposer, voilà. Là, pour l'instant, on va pas crafter, mais je l'ai montré tout à l'heure. Il faudra regarder la rediff pour que je vous le remontre. On verra plus tard, si j'en referai peut-être cet après-midi, de toute façon. De toute façon, on est là jusqu'à 15h, 15h30 environ. Et voilà, on a sauvegardé, on a récupéré nos PV et MP, et on fonce. Je vais aller voir la petite cabane là, la petite cabane de pêcheur. Ah, on va couper la serpe, hop là. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions, hein. J'y répondrai volontiers, et même ceux qui auront la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, on y répondra sans souci. Oh, c'est ça dégueulasse. Quoi, j'ai fait que 4? C'est quoi ce délire? Heureusement qu'il avait son bon, même pas 4 aussi, ouais. Bon, ils ont pas beaucoup de points de vie, donc ça va aller tranquille. Allez, hop, petite défense. Lui, il HS. Ça va le cramer. Peut-être faire ma nouvelle attaque. On va tester la nouvelle attaque. Adieu. Ah ouais, c'est plus en horizontal le feu.
Ah, le jeu dure combien de temps, Tourelle? C'est RPG japonais, Dragon Quest, c'est très très long en général. En ligne droite, je pourrais pas te dire, je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je sais que je mets plus de 100 heures en général. Moi, je suis pas pressé, moi. Hein. Bon, je prends toujours mon temps, moi. Là, je les aime bien, eux. Il faut compter, je pense, en ligne droite, 50 heures. Hein. Minimum. Hein. Oh, quoique. Ça dépend, ça dépend, ça dépend des joueurs. Moi, vu que j'aime bien faire les combats, je suis pas pressé, moi. Allez, on va se faire lui. On va toucher les autres aussi, comme ça. Même pas. C'est là tout le plaisir de jouer à un RPG, il faut prendre son temps. Exactement. Et quand je vois que certains rushent les jeux juste pour l'histoire, moi je trouve ça abusé, quoi. Faut prendre son temps. Moi, je suis de la vieille école, moi, je prends mon temps. Je ne me presse pas, on fonce. On fonce pas et. J'aimerais bien prendre mon level 9 là. Allez, on va voir un peu la cabane. Y'a rien là. L'ambiance est là. Je crois qu'il y a de la pêche dans le jeu, j'allais dire. Ben voilà, regardez, je me suis pêche. Moi, je prends mon temps, je me fais des pauses, farm de 2-3 heures. Ah, il faut faire. Moi, je fais pareil que toi, Esquad. Pareil. Bonjour, monsieur. Il a la classe, quoi. Est-ce que je peux aller dans l'eau? Je peux pas aller dans l'eau. Comme ça, le dernier boss, tu lui casses le dos. Ah, tu lui démontes le boss. Alors, il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Non. Mais. Ok, on va venir plus tard apparemment. Allez, nous on va aller là-haut. Tout là-haut. C'est par là? Ouais, c'est par là. Ça va se faire le sous-truc mécanique là. Truc à vapeur là. Boum! Ah, un sanglier qui l'accompagne. Loupé! 8! Ah, j'ai 10. Ah oui, il est nul en fait. Ok, dégage. Alors, on y va, on y va. Ah mais c'est vrai que je voulais vous montrer mon cheval. Je vais vous le montrer quand même. La cloche est là, on va le faire. C'est un cheval générique, hein, bien entendu. Hein. Vous pouvez pas customiser votre cheval, bien entendu. Ça, on l'appelle et voilà. Avec le cheval, ce qui est bien, c'est que vous pouvez foncer sur les ennemis et les tuer, mais vous ne gagnez pas d'XP. Je vais essayer de vous montrer. Allez, on fonce. Boum, boum. Pas eux, par contre. Les tout petits, hein, comme les slimes ou ceux que je viens de buter. Dommage qu'on ne gagne pas d'XP, mais bon. C'est logique aussi. Hein. Oui, il va falloir que je m'envoie de la vie là. On va quand même lui mettre de la vie aussi. Allez, le 29 à la fin du combat, je l'annonce. Alors, dégain. Allez, crève. Parfait. Allez, level 9. Level 9, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Un coffre. Ok. Non, pas level 9. Dommage. Allez, on fonce.
Très pratique ce petit cheval là. Je crois qu'on peut monter sur d'autres montures. Hein. Plus tard. Est-ce qu'il monte les escaliers le cheval? Ah il monte hein. Il monte les marches. Là non par contre. Parce que je peux. Un temps de chargement. Ok. Et Mr. Toc, comment il va mon ami? Hier elle était confirmée en version traduite pour début 2018 chez nous. Il était temps qu'ils en parlent. Effectivement, ils en parlent juste. Juste hier, ils en ont parlé. J'espère que tu vas bien. Va falloir qu'on se contacte et qu'on fasse quelque chose ensemble, hein, Mister. Ce serait cool. Allez. On doit aller là-haut. Allez, on y va. Je sais pas ce qui nous attend. Peut-être le premier boss. Un petit donjon. Un donjon, je sais pas. On va voir. Après 5 heures de jeu, pourquoi pas. Suspense. Oh là là. Par surprise. Et je sais, tu as vu la manette PS4 en forme de slime qu'ils ont sorti, elle est énorme. Oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu. Je vais au Japon le mois prochain, donc à Tokyo. Donc je vais peut-être me la trouver. Quelque chose ici avant d'aller voir ce totem géant. Apparemment, il y a un truc là-dessous. On va quand même aller voir là. Ah, d'accord, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ah ouais, ça aura l'occasion. Ouais, c'est clair. Oh, chauve-souris. Je sens un boss, les amis. Je sens un boss. Peut-être le premier boss du jeu. Il est mort de partout. La musique commence à changer un petit peu. Alors, les ennemis qu'on connaît ici. C'est une sorte de donjon. Hein. Alors. Donc, on va aller. On va aller faire là-bas d'abord. Tac tac tac, on arrive par là. Une porte là. Bon, on va faire le tour. On va commencer par là. Allez! Banzai! Elle fait marcher la puissance de Boomerang. Ah, les musiques sont cool, ouais. Il y a beaucoup plus de musique originale par rapport aux anciens Dragon Quest. C'est pas que des remixes, donc du coup, ça c'est cool. Hey, level 9, super. Et on reprend nos HP et MP. Nouveauté aussi de Dragon Quest 11. À chaque level, on reprend nos HP et MP. Et ça, c'est très très bien. Je pourrais peut-être augmenter les personnages avec le sphérier et le sphérier. L'arbre de talent. C'est 8 points. Ok. Parfait. Et par contre, Camus, est-ce qu'on lui augmente quelque chose? C'est le boomerang. Donc. Je sais pas. Bon, on va l'augmenter. Augmenter moins ça. L'attaque, ce sera pas mal. Ok. Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Ce sera pratique pour moi, ça m'évitera de mourir tout le temps. Ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est clair, c'est vraiment une grosse nouveauté. Une grosse nouveauté. Pas dans le JRPG, mais pour Dragon Quest. Ouais. Bon, le level 9, on n'est pas trop mal. Allez, on avance, on prend de l'expérience et on y va.
Donc, on revient par ici. Hop, hop. Est-ce que je vais aller à droite? Bon, on va faire le tour, hein. Les ennemis de partout. Non, là, il n'y a rien. On va par là. Tu ne mourras pas. Yo-ho! Esquivage de talent! Il y a quelque chose? Non. Tac, 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 tac. S'il y a un truc ici. Bon, on va se faire des ennemis. Oh, ils sont stylés, eux. Ils sont stylés. Excellent. Allez. Onze, quand même. Ah ouais. Ils font pas semblant. Ils font pas semblant du tout. Ouais, c'est cool de pouvoir esquiver. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Allez, on va faire. On va déjà dégommer lui là, ce sera fait. Bon, lui il est HX. Voilà. Allez, suivant. Il va renforcer son attaque. Quatre points de vie. Oh merde. Allez, tu vas morfler toi. Oh, les deux. Au moins c'est réglé. On n'en parle plus. C'est bon, vous êtes mort. Je peux pas mal d'XP. 76. Oh, il y en avait un autre à côté. Hop. Si je vais en face. Bon, on va aller en face, on va aller voir. Je veux voir ses ennemis là-bas. On les connaît, mais il faut les faire. On va se les faire. À la recherche d'un coffre perdu. Alors, on va mettre de la vie. Bon, normalement ils sont pas puissants eux. On va le faire facilement. On va voir, il dort un boss, je pense, à la fin de ce donjon. Non, mais oh, calmez-vous! Merci! Se calmer! Wouhouhou! Juste, juste, juste! Ils ont enchaîné les attaques là? Voilà! Je vous ai éteint là, c'est bon. Tendu, tendu, tendu. Il y a un coffre, il y a un coffre, j'ai bien fait de venir. On va se le faire arriver. Voilà. Transformation. Si Camus pouvait se transformer aussi, on en ferait l'attaque combinée. On va prendre au milieu là. Allez, Camus, transforme! Allez, s'il te plaît! Même pas! Pas prendre de risque! Allez, adieu! Casse-toi! Parfait! En tout cas, il me donne 60 points d'XP quand même. Pas mal. Alors, le coffre. Oh, une tenue? Voyons voir. Ah oui! Mais bon, malheureusement, les tenues c'est bien parce que les tenues. Voilà. C'est bien, mais pas bien parce que ça booste pas mal, mais on les voit pas à l'écran quoi. Ça, c'est chiant quoi. Ça, ils auraient pu faire un effort quand même. Faut le dire, ils auraient pu faire un effort. Du coup, on va lui refiler lui. Voilà. Elle est belle quand même. Elle est belle celle qu'on a forgée tout à l'heure. Belle petite arme. Ce sera l'occasion de garder ton attaque combinée pour le boss. Ah oui, tout à fait.
Exactement. Allez, on y va. Nouvelle épée. Nouvelle tenue. Meilleure défense, ça c'est bien. Donc du coup, hop, on peut passer. On va aller voir par là. Allons-y. On descend. Les ennemis, on les esquive. On y va. Bon, lui, on va se le faire. Allez, hop. Je pense que mon nouvelle attaque va faire mal. Mon nouvelle arme, du moins. 18, d'accord, ok, c'est un peu mieux. Parfait, regardez l'attaque combinée. Si un boss, ce sera bien. Parfait. Pareil, les attaques combinées, c'est nouveau hein, sur Dragon Quest. C'est très cool, elles sont sympas en plus. Bon, pour l'instant, je n'ai vu qu'une, mais elle est sympa. Ouh, il y a un coffre là-haut. Boss ou pas boss? On peut les prendre par surprise, je sais. Donc. Quand il y en a un qui se retourne, l'autre vient vers moi. Tonton mon petit. Tonton. Ah, il m'a vu. J'essaie de prendre par surprise sur la droite. C'est bon. J'ai dit autant il va me voir l'autre. Alors, est-ce que ça va se compliquer? Pas forcément. L'attaque combinée, elle est là. Je vais la garder. Bon, ça va. J'ai bien fait de la garder. Ça va aller. Ils sont assez simples. Je vais quand même remettre de la vie à mon pote. Si on prend pas de level, ce sera l'occasion. Ce sera déjà fait. Et on va attaquer. Et adieu. Bon, sans difficulté, ce combat était simple. On va se faire lui aussi au passage, voilà. Je pensais qu'il y avait les deux, mais non, pas du tout. Ah oui, c'est tentant, mais plus on attend, mieux c'est. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, est-ce que j'ai fait? Bah. Mais. Ah mince, je suis bête. Je suis bête, j'ai pas vu. Je vais garder, je remettrai mes MP plus tard. Vu qu'ils sont simples. Plus tard, on va falloir les remettre. On va penser à ce détail. Ok, on va se remettre des MP quand même. Hein. Hop. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Ah, mais j'ai pas fait. J'ai passé, mais je crois que je peux les rentrer dedans en fait. Alors attendez. Ouais. Et ça. Je me suis trompé d'option. Putain! Je le savais! On va revenir, c'est pas grave. On sait qu'on peut chevaucher. Chier, je me suis trompé d'option. Ça, le japonais. De comprendre certaines choses, c'est bien, mais de pas tout comprendre, c'est encore moins bien. Punaise! On peut lui parler. Ah, c'est une boulette, ouais. Ben, c'est un japonais, donc on peut faire des boulettes, ouais. Tout à fait. Donc,
Alors moi c'est celui-là je crois. Non, celui-là c'est le craft. Non, celui-là c'est le... Bon, on verra ça plus tard. Alors, on va continuer, on verra bien. J'ai fait la petite boulette de téléportation. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, par ici. On va tout esquiver, on va y aller. Non, tu me toucheras pas. Tu me toucheras pas, toi non plus. Si. Merde, putain. C'est pas grave. On va fuir. Yes. Ah. Fuite n'a pas fonctionné. On va crever. Et voilà. Comment ne pas... Putain. Sérieux. Non, on va pas fuir. Moi, je ne fuis jamais. Attaquez-moi. Il y a toujours une solution, les amis. On va se remettre des MP aussi au passage après. Parfait. Vous voyez, il y arrive toujours. C'est bon. Hop. Ah, lâche-moi, 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 espèce de sauvage, va. Je crois que c'est là. Non, c'était pas là. Si, c'est là. Vite. C'est à gauche. C'est là, on descend. Parfait. Parfait, parfait. Ce spot qui m'éclaire, il me fait donner chaud en plus. Laisse tomber, quoi. Ah, les femmes un peu, MP sont toujours là, ouais. Par contre, faudrait... Je trouve l'option... Pourquoi je peux pas en remettre... Ah voilà, on va se remettre mes MP, ça pas mal. HP, tac, 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 HP, 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 je crois que c'est celui-là, je dis pas de bêtises. Ah non, ça c'est la toux. What? Ok, pourquoi il est pas mal? J'ai pas de potion de MP. On est mal barré. Oh punaise. Oh punaise, il faut le refaire. Fait chier. Bon, on va se le refaire. Alors, pourquoi j'ai pas d'MP? Ah, bah si, j'ai MP! J'ai que MP10? J'ai pas loin avec MP10. Bon, c'est toujours ça, hein. Les spots par fond vert, ça donne trop chaud, ouais, je confirme. En été, je me sers pas personnellement. Ouais, mais j'aurais peut-être pas dû le mettre, mais bon, c'est pas grave. Bon, t'es mort. Parfait. Allez, le prochain maintenant. Oh, ça serait bien que je prenne le level 10 là. Oh, lui, il m'a pas vu. Allez, fonce, fonce. Yes. Je crois qu'on peut vraiment monter dedans. Attends. Je vais vous déglinguer maintenant. Puis j'ai perdu mon attaque combinée en plus. J'ai pas fait gaffe. Tant pis. Bon, lui il est mort. Voilà. Ok. On attaque.
C'est parfait. Allez, level. Level up. Level up. Allez. Ok. Bouteille magique, j'ai. Bah, je crois que c'est ça, ouais, ce qu'il me disait. Ouais. Ouais. Youhou. Est-ce que je peux prendre le... pour revenir pendant le boss aussi. Donc bon. Oh punaise, c'est le boss. Je crois qu'on est au boss, les amis. Je crois qu'on est au boss. Ils sont moches. Ah, c'était vraiment un mini donjon. Hein. Oh oui, c'est le boss. Ouh. Par contre, la carcasse que j'ai chevauchée, là, je sais même pas comment ça sert en fait. Rien du tout. Allez. Ouh, dans vos dents. Faut remettre un peu là. Ah, tu m'as pas eu. Là oui par contre. C'est pour monter haut pour choper les coffres. Ah oui, effectivement. J'ai pas pensé à ce détail, ouais. J'espère que je pourrai le réutiliser après. Ah mais... Ah il m'a loupé là, c'est bon. Ok. Maison d'attaque, j'ai perdu en défense. J'ai dash plus de potions. Si, super. Mais toi, je vois plus de data de défense. Ouf, ouf, ouf. Ouh, ouh, ouh. Attaque combinée bientôt. Allez, je compte sur toi là. 12. Ils sont pénibles, hein. Je peux pas attaquer là. Allez, faut qu'il se réveille là, parce que là... Ok, laisse tomber. Yes! Attaque combinée, les amis! Oh, ça va y aller. Nouveauté Dragon Quest 11, attaque combinée, c'est parti. Let's go. On va se le faire sur lui ou sur lui? Ah, lui, il est bien entamé. Bon, on va le finir. Allez. J'aurais dû le faire sur l'autre, mais tant pis, c'est pas grave. C'est très stylé, je trouve. Au moins on est sûr qu'on le termine. Ah voilà, ouais, il y a HS. Mais où tu vas toi mon ami? Alors, on met un peu de vie. Et après on se termine. Ouh là là. Le boomerang est utile, en plus j'ai changé le boomerang, donc du coup c'est vrai que c'est très très bien. Est-ce que j'ai encore une potion de MP? Oui, MP30, encore mieux. Allez, c'est bien. Et on va faire les attaques, maintenant on va y aller. Bon là je pense que on va le démonter. Deux fois d'affilée, j'enchaîne. C'est bon. Yes. On m'applaudit, on m'applaudit, on m'applaudit. Voilà, 330 XP. Je pense que je passe level 10 là, hein, je pense. Bah oui. Et oui, level 10 les amis. C'est cool. Et en plus, on gagne des points pour l'arbre de talent. Qu'on ne va pas faire maintenant. Oh.
Nouvelle attaque combinée. Super, super, super. Ah, le coffre maintenant. J'espère qu'on peut, hein. Yes! Super, super, super. Parfait. Ah, ces ingrédients pour le craft. Je peux y aller là? Ah, je veux dire. Ah, là, c'est bon. Parfait. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que j'ai pas fait? Dommage que je peux pas les dégommer avec. On va grimper, on verra bien. Je crois qu'il y a une porte que j'ai pas fait. Ouais, on va aller voir les portes. Je crois que c'est là. Ici, la stèle. En fait, c'est les stèles. Ok. Ah, je peux. Ça. Ah, d'accord, je peux pas. Il faut que je descende à chaque fois. Allez, monte. Allez, grimpe, grimpe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le donjon n'est pas terminé. Le donjon est terminé. D'accord, y'a rien. Ah d'accord, l'autre porte c'était pour aller de l'autre côté en fait. D'accord, ok. Bon, c'était vraiment bien sympathique. Ah mais non, il y a un coffre. On va aller à l'autre porte qui est à l'intérieur aussi. Oh, un anneau. Alors, l'anneau, qu'est-ce qu'il me propose? La puissance. Vraiment, quel dommage qu'on voit pas l'évolution du personnage, habit, tout ça quoi. On est en 2017 chez Square Enix, on se réveille. Est-ce que je peux récupérer la machine? Ah non, elle est partie. Oh, c'est l'arnaque. Oh, c'est de l'abus. Par là. Wow, quelle esquive! C'est par là, c'est par là, on va monter ici, j'espère qu'il y a un coffre ici aussi. Ça c'est carrément abusé, moi qui adore customiser mes tenues, ah ouais tout à fait ouais, carrément, quel dommage de pas voir l'évolution, tu vois les armes mais pas les tenues malheureusement. Alors est-ce qu'il y a quelque chose ici? Logiquement il y a un coffre hein. Ah si, il y a un truc. Je suis mauvaise langue. Alors, après. C'est par là. Bon, bah c'est parfait, on a fini le donjon. On va remonter, hein. Et on est passé level 10 en plus. Et c'est 13h, j'ai toujours pas fait de pause, j'ai faim. J'ai la dalle. On va aller sauvegarder et on va faire une petite pause d'un quart d'heure les amis. Et hop, c'est par là. Ouais, je peux vraiment rien faire là. Si, je peux lui mettre un truc là maintenant. Non, non, rien du tout. Allez, on sort.
Yo! Et yo, mon cheval, t'es toujours là, moi? Ta 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 ta. Non, y'a rien là. Non, mais sérieux, y'a pas mon cheval là, il a disparu. Il s'est envolé. Allez, on va revenir au camp, de toute façon, c'est à côté, je crois. Ah, le camp il est là-bas. Ouais, c'est bien. Il y a le pêcheur là-bas avec sa petite cabane. Ouais, tout a disparu. Ouais. Mais le cheval, tu peux l'appeler là, regarde. Avec ses petites cloches. Et voilà! Ce qui est bien avec le cheval, c'est que les tout petits ennemis, tu peux leur foncer dessus et tu les tues, en fait. Je te montrerai. Les crabes, non, mais celui-là, oui, regarde. Je te montre. Boum! Voilà, tu les tues, mais tu gagnes pas d'XP. On va sauvegarder et on va aller voir si on peut faire autre chose sur le craft. On va déjà sauvegarder, c'est pas mal. Level 10, 842 gils. J'irai pas très très loin, je dois être à bientôt 6 heures de jeu, je pense. Ah là là. 5h37 de jeu. Si on craftait un peu. Pour la table de craft. Et ça. Allez, craft. Alors comme je disais, t'étais pas là quand je l'ai fait, je crois, Toc, mais c'est le craft qui est repris de Dragon Quest X. Et c'est vraiment très très bien fait, tu vois. J'ai des nouveaux ingrédients, est-ce que je peux faire autre chose? Allez, on va crafter. Ah, je peux rien faire d'autre. Ah, je peux rien faire d'autre. Ah, je vais la refaire, t'es. Juste pour le fun. Allez, on met les ingrédients dedans. C'est l'arme bleue que j'ai en fait sur moi. Que j'ai crafté. Alors ici, c'est Tataku. C'est pour crafter. On choisit. On peut crafter. Il faut crafter les trois en fait. Et au fur et à mesure qu'on avance vers le vert, la forme prend forme. Et ça donne l'élément en fait. Allez, hop. Là, ça va automatiquement. Je ne fais rien. Voilà. Bon, là, ça fait une belle petite crotte. Hein. Encore Tataku. Voilà. On va le faire une deuxième fois. Parfait. Et dès que c'est dans le verre, il faut pas que ce soit automatiquement sur la flèche. Il faut vraiment que ce soit dans le verre. Pour que ce soit bon. Et là, on est bon. Voilà. L'arme est faite. Et on valide. Et on quitte. Tout simplement. Je sais pas si c'est la même arme que je vais avoir. Je pense que oui, parce que c'est le même patron. Oh. Elle est peut-être plus puissante. Eh, hey, plus puissante que celle que j'ai. What? Moi c'était une plus 2. Ah, je vais voir ça. Voyons voir ça. Vous avez crafté une arme de plus 3. Trophée obtenu PlayStation. C'était cool, merci. C'est ça que je voulais voir. Non, c'est là. Parce que. Elle est plus 2 moi. Mais 54. Ah ouais, ouais. Ah ouais, carrément. Pourtant je pensais l'avoir moins bien réussi que la première. Donc du coup des fois ça vaut le coup de refaire la même arme au craft quoi. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok. Voilà, regardez-le le feignant là. Déjà quand un combat il gagne de rien des fois. Regardez-moi le. Espèce de feignant là. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause. Je laisse tourner le stream. Je change l'écran et je coupe le micro, la webcam et je reviens dans 10 minutes. Je reviens dans 10 minutes les amis, je vais manger. Allez, 10 minutes, un quart d'heure, je reviens, je vais manger mon petit sandwich. Et après on se retourne jusqu'à 15h. On fera un live jusqu'à 15h, 15h30.
Ok, monsieur Toc, ben, bonne bouffe à toi aussi, et merci d'être passé, ça fait plaisir. Et il y aura la rediff sur la chaîne, n'hésite pas à revenir la voir. Pour plus d'infos sur le jeu, voilà. Allez, à plus pour toi et les amis, je reviens. Petite pause. Et heureux, allez, on va pouvoir partir directement pour la suite de ce Dragon Quest 11. On a bien avancé ce matin. Et là, on est en live jusqu'à à peu près 15h. On arrêtera vers 15h. Je suis niveau 10, on vient de finir le premier donjon, le premier tout petit donjon qu'on a eu dans le jeu, juste en haut là, voilà. Et on a notre cheval, voilà, là c'est le campement, on peut sauvegarder le campement, on peut crafter ici, pas mal de petites choses. Mais avant de débuter, j'aimerais dire bonjour à Black Milos sur Twitch, bienvenue à toi. Et apparemment, tu étais impatient de voir les extraits du jeu, donc on va y aller, je finis mon café et on y va. Waouh, le jeu envoie du lourd graphiquement. Oui, c'est très très beau. Très très beau, Black Milos. En tout cas, dans son style à lui, c'est très beau. Techniquement, c'est pas la panacée, mais moi j'aime beaucoup et franchement, pas mal du tout. Je suis sur PS4 Pro et le mode boost est activé. Je sais pas s'il y a une grosse différence avec ça, mais bon, en tout cas, le jeu est propre, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il est vraiment excellent en plus pour l'instant, 6 heures de jeu environ. Très très bon. Alors, je sais même pas où je dois aller. Je crois qu'il faut que je revienne au village, il me semble. Bon, on va déjà prendre le cheval. Oui, je pars, je m'en vais. Allez, je te laisse un petit peu la musique. Donc, en face, je crois que c'est tout en haut qu'il faut aller. Donc, on y va. C'est parti. Let's go! Allez, on continue cette aventure épique sur Dragon Quest 11. Il n'y aura pas d'autres lives par la suite. C'est vraiment un petit live comme ça pour vous présenter le jeu, répondre à vos questions depuis ce matin. Et en tout cas, moi je prends vraiment du plaisir et je sens que je me gavais sur ce jeu encore une fois. Dragon Quest oblige. Ça va être génial. Allez, on suit le chemin. Que des frissons, ça fait tellement plaisir de voir Dragon Quest de retour sur console de salon. Eh ouais, ça date depuis le 8, oui tout à fait. Et je sais pas si toi tu trouves la même chose que moi, mais je trouve que ce jeu ressemble graphiquement au 8 en fait, dans le même style. Un peu moins prononcé le cel shading, mais c'est un peu dans le même style. Ouais. Clairement, exactement. Allez, avec le cheval on peut foncer sur les petits ennemis comme je t'ai montré là. Ça ne prend pas d'XP mais on peut les tuer facilement. Voilà, si c'est au milieu de la route tu fonces. C'est pas mal du tout. Les temps de chargement sont assez courts on va dire la plupart du temps. Alors, est-ce que je dois retourner au château? Je crois qu'il faut que je retourne au village en fait, en bas. Le château, non, j'ai plus rien à faire au château, je crois. Ah si, je dois retourner au château voir le. Ah le. Le papy, je crois que j'avais vu. Bon, on va retourner au château, on va voir. Allez, on y va. Alors, il y a quelques nouveautés que j'ai remarquées dans The Dragon Quest 11, c'est bon. Le coup du cheval, ok. À chaque level, maintenant, tu récupères tes PV et tes MP. Voilà. Pas trop de mal à s'opérer en japonais. Ou peut-être que tu comprends parfaitement le japonais. Les deux. Un peu entre les deux. J'apprends le japonais depuis quelques temps, mais j'arrive à lire certaines bribes. Je passe à côté de pas mal de choses, je pense. J'arrive à lire certaines bribes. Mais pour s'opérer, non. En général, t'as un petit point rose pour la quête principale. Après j'arrive à lire quelques trucs donc ça m'aide aussi. Est-ce que je peux leur foncer dessus? Oui. Lui aussi? Oui. Dégage. Voilà. On fonce. Qu'est-ce que je disais? Les nouveautés, oui. Tu reprends les PVMP à chaque level up maintenant. T'as les attaques combinées avec les deux personnages. Et qu'est-ce que j'ai remarqué comme nouveauté? Bah, c'est pas mal pour l'instant. On arrive au château, là c'est joli par contre. Là c'est vraiment sympa, voilà. Là c'est classe.
retour au château. Et je sais que le cheval il peut pas y aller. On y va. En route, en route. Allez. On va retourner voir le monsieur là-haut. Je prends une baffe là, ça fait bizarre de voir un Dragon Quest aussi beau. Ouais, très très beau. Et t'as pas vu le village? Regarde la ville, le château et tout. Non mais moi je... C'est super vivant, moi je trouve, c'est vraiment très très vivant. Donc du coup, on va essayer de retourner voir le monsieur. On y va, on y va. Parce que j'ai un doute, je sais plus ce qu'il me disait. Il me dit d'aller faire le donjon, mais je sais pas s'il fallait que je revienne le voir. Alors, il avait toujours sa quête, ok. Ah, l'ambiance, l'ambiance, l'ambiance. Hier soir, j'écoutais le... En même temps que je jouais, j'ai écouté le live de Game Cult. Ils ont fait un gros marathon, apparemment, hier. Et ça a duré pas mal d'heures. Et toutes les 10 minutes, ils se payaient des musiques plus haut, là. Et franchement, les musiques, elles sont cool, elles sont bien. Il y a pas mal de nouveautés, en plus, en musique. Et il faisait vraiment le blasé sur les musiques, je trouve. Ça change pas grand chose par rapport aux autres. Hein. C'est gigantesque, j'aime bien les DA. Ah ouais, moi aussi, j'aime beaucoup les DA. En gros, je suis revenu te voir pour rien, quoi. Punaise, allez, on va au village. Bon, bah, ça a permis de revoir un peu la ville. Oh, cette arche. On va retourner au village. Ah, les structures sont tellement bien dessinées. Ouais. Vraiment ça. Voilà. Super. Rien à dire. Trop le style. Super, super. Et le jeu, pour l'instant, vaut vraiment le coup. Et puis bon, c'est quand même un épisode canonique. C'est un gros, gros épisode. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Hé, hey, mon cheval! Ah, il est parti là-bas. Il était où? Ah non, j'ai perdu mon cheval! Ça m'énerve, ça, qu'il disparaisse. Il disparaisse. Et en fait, il disparaît à chaque fois et on est obligé de trouver la cloche pour l'appeler, quoi. Bon, ça va, je te montre les combats. Et un peu de verdure aussi, au passage. L'animation des personnages, des monstres, tout, c'est génial. Alors là, j'ai mis Camus, mon collègue, au boomerang, très utile au début du jeu, hein, comme dans tous les autres Dragon Quest. Et j'ai mis un automatique pour l'instant, donc il fait un peu ce qu'il veut. Les ennemis sont pas trop puissants, ça va. Allez, moi j'attaque. Moi je me suis mis avec une arme à une main plus le bouclier. Et pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Et un petit coffre au passage, merci. Oh, le champ de vision là. Ah, je dois aller sur ce droit. Ouh, ils sont 4. Oui, j'ai vu qu'il y avait deux styles de caméra et de déplacement dans les combats. Le style de base automatique ou celui où tu peux te déplacer en combat. Oui, tout à fait. Voilà, tu vois. Non, je peux me déplacer. Elle est là, tu vois. Boum. Genre je bouge pas trop, moi je vois juste ma vie. Pour les ennemis comme ça, c'est pas très utile. Ouais, ils ont pris pas mal de choses Dragon Quest X, même le craft ils ont pris Dragon Quest X et le craft est vraiment génial. Je vais shooter lui. Voilà. Oh, ah, le boomerang ça fait très mal. Très pratique au début du jeu. Cette attaque est pas mal aussi. Il s'est foiré. Il s'est foiré. Allez, 28 points d'expérience. Les modèles 3D HD des monstres sont vraiment à la gueule. Ah oui. Très détaillé.
C'est là. Bon, on va redescendre vers la ville. Bon, je stream depuis ce matin, donc du coup, n'hésite pas à aller voir ce soir ou dès demain matin la rediff sur la chaîne YouTube. Hein. Si tu veux voir la rediff, voir un peu ce que j'ai fait avant que tu arrives. Est-ce que tu as déjà fait des donjons? Ben, juste avant que tu arrives, avant de faire ma pause, on a fait un mini donjon en fait, voilà. Tu pourras peut-être le revoir dans la rediff. On va se les faire. Boum! Bon, la rediff sera sur la chaîne YouTube quand le traitement sera terminé, mais ce soir, oui. Allez, on va se le faire. On va. Bon, tu vois l'arme que j'ai, moi, mon personnage. C'est moi qui l'ai crafté. Dans les animations. Donc c'est tout droit. Le campement est là-bas, on pourra prendre le cheval. Là. Oh là là, cet arrière-plan, cette distance d'affichage. Ah c'est beau. Hein. C'est superbe. Mais la DA. Il y en a qui critiquent la DA, mais putain, la DA je la trouve trop belle quoi. Puis Dragon Quest a un charme, c'est... Bon, y a Toriyama bien sûr, mais... T'as le campement, il est là. Tiens, regardez, un, deux. Du coup, elle est morte. One shot. Passer par dessus. Ah, les murs invisibles. Bonjour monsieur. Les jeux Dragon Quest ont vraiment beaucoup de charme. Le 8 sur PS2 était l'un des plus beaux jeux et l'un des meilleurs jeux de la console. Ah oui, t'es énorme. Hein. Allez, je m'appelle le cheval. Parfait. Non, c'est pas par là, c'est par là du coup. Nouvelle zone. Alors on revient ici. Worldcraft, j'ai vu des remarques comme quoi ils ont repris Dragon Quest X avec des parties de l'arme à crafter. Oui, c'est ça. Exactement ça, Black Mulos. C'est exactement la même chose. Un retour. Je te montrerai ça tout à l'heure si tu veux. Ah mais, j'ai pas couru. Hey, hey. Tout un ramène de slime. Et en plus tu m'as loupé. Ah, il est parti le slime. Il a eu peur. C'est tout droit, hein. Ouais, c'est ça. Allez, on arrive au village.
Alors ceci c'est le village du début. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Allez. Donc du coup, il faut aller là, parler à ce personnage, on va aller sauvegarder. Tranquille. Et c'est vraiment cool, l'un des plus simples et efficaces comme système. Ah, le système de craft, ouais. Mais c'est vrai qu'il est très simple. J'arrive, monsieur, je vais te parler après, mais je vais sauvegarder. Allez. 6h08 de jeu. Ah, je suis pas allé là. Ça, on peut le casser. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Ok. De l'autre côté aussi. Ah, je peux y aller. Ok. Alors, monsieur. Info. Allons visiter le village. Je vais rentrer ici. Je vais y aller. Mince. Ah, je peux y aller. C'est fermé. Bon, moi je suis au courant. Là-bas aussi. Ok. Alors, allons revoir le monsieur là. Oula, c'est quoi? Oh, j'avais pas vu cet arbre. Oh, cette racine. Racine sacrée. Je retrouve Emma, l'amie d'enfance, mais elle est pas là, elle serait où? Allez, on prend le petit pont. Et je pense que c'est ça, il faut que je retrouve Emma. Excusez-moi, j'ai tout cassé chez vous. Pardon. Ouais, c'est sa mère. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? what? Il y a un truc dans l'espace-temps là. Parce que Emma elle est petite là. Je crois que sa mère lui a dit en fait tu n'es pas mon enfant, mon fils a 6 ans ou 7 ans. 6 ans je crois. Tu vas improviser le dialogue avec les mots que tu perçois dans les textes. Si tu veux, mais. Eh bien, je vais te le dire, je pense que. C'est ce qu'elle a dit là. Tu n'es pas mon fils, mon fils a 6 ans. Et la petite, elle est petite. Elle est où d'ailleurs? Mais c'était de quel côté? Mais je peux regarder le côté. Bah, apparemment c'est sa mère, ouais.
Je vais essayer d'y reparler pour voir. Elle nous dit de filer d'ici, que n'est pas dans son enfant. Ok, tout va bien. Donc par contre, elle était par où Emma là? Elle était par où, mais ça, j'ai pas regardé. Elle est là, elle est là, ça y est. Près de l'arbre, avec le chien qui est petit aussi. Du coup. Ah non, mais ça va être du méga spoil, ça on l'a vu au début du jeu. D'accord, on sait pourquoi maintenant. Ouais, d'accord. C'est lui qui lui avait donné, ok. Je comprends pas là, c'est une sorte de flashback, espace-temps. Le jeu était vraiment très stable ou tu as des drops quelquefois? Aucun drop pour le moment. Tout est stable, aucun souci. Là, je suis retombé ouais, dans l'espace-temps, là, un truc de fou. Ça n'a plus. Bon, je vais la suivre. Non, c'est sa meilleure amie, elle. Son amie d'enfance. Emma s'appelle. Ouais, il est bien optimisé pour le moment. Aucun souci. Après, il faut voir sur le long terme, mais PS4 Pro, il tombe bien. Là, j'ai mis le mode boost, mais je pense pas que ça change grand-chose. Oh, c'est gigantesque. C'est immense. Ce gigantisme est énorme. Qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, on va avoir méga spoil. Méga spoil, attention. What? C'est quoi ce délire? En fait, ils me perçoivent quand je suis petit. D'accord. Ou alors, je me vois quand j'étais petit. Je sais pas. Ouais, je me vois quand j'étais petit. Je comprends pas, là ils sont passés à côté de moi sans me calculer. Lui par contre il me calcule. Lui m'a reconnu. Ah, il y a trop de trucs pour que je comprenne à peu près. Comprendre des mots, mais. Là il va disparaître. Plus personne. D'accord, ok. Tout va très bien dans ce jeu. La cascade. Allez. On va revenir. Ah, la musique est géniale. On va voir si c'est par là. On va aller à la cabane. Je peux pas y aller là, mais je vais aller voir la cabane. Je suis tout cassé, moi. Ben, j'arrive, je casse tout. Posez-vous. Il y a rien.
Y a rien. Y a pas un coffre. Hein. Allez, donne-moi de l'argent. C'est bien. Bon, choqué. Voilà, on va remonter. On va partir du village. Je sais pas ce qu'on va faire. Allez. Ah mais c'est vrai, cette musique elle est cool. Là c'est vraiment super. Temps de chargement un peu long. Un peu plus long que tout à l'heure. Peut-être cinématique. D'accord, j'ai même pas rendu compte que c'était lui en fait. D'accord, ok. Assez énigmatique là. L'arbre sacré est mort, hein. S'il ne va pas. Ah oui, il n'y a plus rien. Oh, c'est tout détruit. Je peux faire attention parce que c'est absolument un petit détail, mais est-ce que le personnage agit avec l'environnement? Je veux dire avec la végétation. Comme dans Zelda, quand il passe dans les bois, dans les herbes, tout ça, c'est ça? Non, 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 c'est assez sommaire. Non, c'est assez sommaire, hein. Je te montrerai. Je trouve qu'il a la classe quand même, hein. Camus. Oui, très classe, ouais, c'est clair. Par rapport à notre héros. Encore, ça va, il est pas dégueulasse le héros. Mais... on peut le confondre avec une fille. Hein. Voilà, il y a plein qui va dans le village. Tout va très bien. Sangwan Préado SSJ2, ouais, tout à fait. Oh, mais c'est tout détruit. Rendez-moi ça l'église. Ah, ouais, quand même. Ouf. Hallucinant. Par là-bas. Et la maison. Trop fini, il reste plus rien. Y'a que la porte qui tient, quoi. Ah, c'est bien dévasté. Alors on saute. Ah, tu vois, dans l'herbe, il se passe rien. C'est sommaire. Allez, on va sortir. Et on va continuer. Hein. Oh, puis. Je sais pas. Il se passe des trucs bizarres. Tintin.
Allez. Là, je suis pas allé. On va y voir. Bien, je vais casser le truc, mais non. Est-ce que je passe dessous? Ah, je peux passer. Allez, changement de zone. Voyons voir. D'accord, on arrive ici en fait. Alors, je pense qu'il faut peut-être revenir au village et aller de l'autre côté. Il y a de la route à faire, hein. Les distances sont assez longues dans ce jeu. Et c'est aussi dû au gigantisme, je pense, du jeu, parce que tout ce qui est bâtiments, montagnes sont immenses. Village, c'est long à parcourir. On est dans des décors assez immenses quand même. Changement d'ambiance le soir. À ligne droite, alors moi je vais mettre 200 heures quoi. Déjà 50 heures à ligne droite, ouais c'est correct. C'est très bien. Moi j'aime pas aller à ligne droite. Je prends toujours mon temps. Donc on peut y aller maintenant. Allez. Oh la lune. On se sent happé par le jeu, n'empêche. Hein. Franchement, on se sent vraiment aspiré dans le jeu, concentré dessus. C'est la marque des grands jeux, ça. Pas envie de lâcher la manette, envie de continuer. Alors, un petit pont. Je sais pas où on va là, mais. Faut un peu le décor. Ah ouais, toi qui avais le décor, regarde-moi ça. Très travaillé, c'est un truc de fou. Parce que là, c'est vraiment le tout début du jeu, quoi. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à pas se faire à faire dans cette grotte? Là on revient vraiment au tout début du jeu. Là c'est vraiment... Oh les décors hein. Ça change un petit peu je trouve. L'occasion de voir s'il y a autre chose
que j'ai loupé. Ah, je suis pas le deuxième. On va les passer. Ouh, c'est sombre ici. Oh. Ah tiens. Hop, pour le craft. Parce que là on est vraiment au tout début du jeu. Donc attendrai qu'il faut que je revienne là. Mais c'est pas grave. Histoire de voir tous les décors. Mess. Je suis descendu. Voilà, quand tu commenceras le jeu, ce sera ici. Hop là. Allez, descend. Hop là. Parfait. Alors, on revient vraiment à la plaine du début. Faut un peu. Voilà, je suis tout en haut. Tout en haut. Voilà, un beau diaporama. Montez là. Est-ce que je peux aller là? Je vois le diaporama, qu'on fasse une carte postale. Voilà ce qui nous attend dans le jeu. Du moins dans cette zone de la map. Parfait, allez, on revient. Hop là. Il y a un truc près de l'arbre que j'ai pas vu là-bas. Parfait. Allez, chemin inverse. Revenons. Au village. On va aller remonter vers le château. Ça donne envie de se baigner là quand même.
Je pense qu'au prochain level up, j'irai augmenter certaines compétences. Dans l'arbre des talents. C'est pas mal. J'ai encore des points, donc du coup, autant les utiliser. Allez, de retour au village. C'est un bon spot pour pêcher ici. Ok, je peux rien faire. Ah, de l'argent, oui, cool. Un peu d'argent, ça fait du bien. Ne vous inquiétez pas, il ne se passe rien. Changement de temps. Voilà. C'était la nuit, maintenant c'est le jour. Je peux pas y aller tout à l'heure. Allez, casse tout. De l'argent, s'il vous plaît. Ouais, bien. Merci. Matériel. Ok. C'est bon pour le craft. Le village dévasté d'ici. C'est impressionnant. Est-ce que je peux sauter? Ah oui, je peux sauter. Attention! Je suis pas mort. J'ai un no loading, mais je suis pas mort. Je suis pas mort. Ah, je te mets. C'est pas grave. La porte est toujours fermée ici. Ah, j'avais dit aller là. Depuis le début du jeu, je veux y aller. Il n'y a vraiment plus rien. Allez, on va partir du village. Retour. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc dans le ciel, regardez. Un truc éclairé, la bleu turquoise. Là. Je sais pas ce que c'est, ça. Mais... J'imagine même pas. Allez, on va remonter au château. Et aux tourelles. De retour. on avance. Donc, j'ai dit qu'on retournait au château. Allez, on retourne au château. Allez, adieu slime, boum.
Ah, il faut manger. Ah, moi aussi, j'ai fait une pause, hein, t'inquiète pas. Attends, bon, le château d'ici, quoi. Bonhomme aucun, on va voir si je peux crafter quelque chose. Merci. Alors reposons-nous. On va voir si on peut crafter quelque chose. Voilà le craft de repris de Dragon Quest X. On va voir si je peux faire quelque chose. Mais non, j'ai déjà un... J'ai déjà fait. J'ai déjà montré. Je vais pas le refaire. Je sauvegarde. Alors, le 1, parfait, merci, ça a sauvegardé. Allez, parfait, on s'en va. Le vendeur. Oui, je veux des potions. Je peux prendre que 9, voilà, c'est bon. C'est tout, ça suffit. Allez. Ok. Bon, lui se repose comme par hasard. Allez, on y va. On prend le cheval. Fait combien où tu es? Combien de degrés? Il fait une trentaine de degrés chez moi. Ça d'habiter dans le sud de la France. Tu vas en Espagne demain, c'est cool ça. C'est encore plus chaud, hein. T'auras plus chaud, ça c'est sûr. Mais pas de soucis. T'as vu la capuche? En plus canicule où tu vas? Eh ben voilà, bravo. Je vais parler.
l'autre là, voilà. On va me laisser monter les amis. Tu veux pas... Cette capuche me fait passer à un autre jeu. Ah bon? Quel jeu? Dis-moi tout, quel jeu? Je sais regarder. J'ai déjà sauvegardé, c'est bon. Changement de temps. Il va faire beau. Et voilà. C'est pas le château. Ah oui, ça s'inscrit deux. J'ai pensé moi aussi, mais pas. Logique, dès qu'on pense capuche dans le jeu vidéo, Assassin's Creed. Allez hop. Allez, on va fermer un petit peu. On va se faire des combats, eh. Pour passer level 11 avant 3h, ce sera bon comme ça. Double coffre. C'est bon ça. Sans ennemis ici. Parce que j'ai mis 28. Allez. C'est immense à traverser. Je vais faire lui. Boum. Ça c'est bon. Reste ici. Ah, j'en ai que 2 sur 4. Oh, le critique. Il a morflé le cactus là.
Allez. Y'a pas un coffre par là? Ça va bien. Allez, coffre! Un petit recoin comme ça là. C'est parfait. Boum. Double coffre encore, cool. One shot. Qui commence à enchaîner assez vite, donc du coup ça c'est très cool. J'ai pas tué les deux. Voilà. Allez, level up s'il vous plaît. Voilà, c'est efficace. Très 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 efficace. Trahidor. Je t'ai réveillé. Effectivement. Allez, les trois d'un coup là. Oh, quatre même. Sans forcer les amis du début. Un petit cactus, hein. Cactus bizarre du moins. Ah, je peux le troisième. Après, les animations gamer quoi. Le cheval, hein? Allez, viens ici. Allez, par là.
Alors, on continue. Le donjon était là. Je vais aller au truc là-bas au fond là-bas. C'est bon, il y a un truc dans l'eau. Je peux y aller? Oui. Alors, passons par là. Oh, mon cheval, t'as pas le choix. Tu restes là. Oh, la belle forêt. Sympa, sympa. Ah ouais, ah là c'est décoré beau. Ah ouais là, photo oblige. Trop bien, excellent. Oh ce décor. Et ici toi. Coucou, je suis là. Ouh, il est vénère. Il est énervé lui. Et voilà, t'es mort. Un peu la vue. Pas mal. Allez, on continue. On grimpe. Tu m'as vu, tu m'as pas vu, tu m'as vu, tu m'as pas vu, tu m'as vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Et boum. Et je crois qu'il y a un coffre à côté. Oh, 14. Parfait. Un rubis. Ouais, ça tue. Pouf. On va faire le tour de ce bâtiment avant d'essayer de rentrer. Allez, dis-moi qu'il y a un coffre. Je peux passer là. Ah mais il y a un truc quoi. Ok. Ah je peux y aller. Ah fichier, je peux pas y aller. On est tombé sur cet endroit par hasard, on peut pas y aller quoi. Ah. Dommage. Dommage, dommage. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait dedans. Ce sera pour une prochaine fois. Ah mince, quel dommage.
Oh, me fait peur. Vas-y, j'entends drôle de bruit, quoi. Ah, je suis déçu. Ah, mince, quel dommage. Je vais voir le monsieur là-bas, j'ai envie de pêcher là. Je sais pas si on peut. Je crois que j'ai trouvé un hameçon tout à l'heure, donc on va voir. Non, je peux pas. Ouais. Il veut pas. Pas de pêche pour l'instant. Voilà. On va sauvegarder. On va remonter un petit peu après. Ah, quel dommage que je puisse pas aller voir ce bâtiment. Je sais pas ce que ça aurait donné, mais ça aurait été cool. Alors, on reprend le cheval. Allons-y. Bon, on va essayer de se concentrer un petit peu sur l'histoire maintenant. Mais là... Ah là là. Oh. Vas-y. Ok, Zako. Oh, une boîte. Des lettres, ok. Ce qu'il y a dessous. Ah, mais dis pas que c'est le ça qu'il faut pour voir le bâtiment. Ah, y'avait rien d'autre? C'est ici.
Ah, c'est joli ici. Ok, dès qu'il y a trop profond, il y a mieux. Fameux mur invisible. Je crois que Zelda Breath of the Wild se retourne dans sa tombe. Tiens, la Zelda peut vraiment tout faire. Genre. Tu vas n'importe où quoi. Bah, c'est pas un RPG Zelda, mais quand même. Allez, on doit aller voir le monsieur là. On doit retourner voir le pêcheur. En plus, on se tape un temps de merde. Bon, allez. Ah, d'un coup il pleuvait, maintenant il pleut plus quoi. Ok, tout va bien. C'est quelle heure? 14h30 déjà. Ouf. Ça passe trop vite. Allez, descendons. Allez. Pardon? Je veux dire, je peux pas descendre, monsieur. J'arrive, monsieur. Vas-y, parle espagnol, mais dans la toile. Bon, tant pis, me dirai. Faut que je revienne le voir plus tard. On va remonter, on verra bien. Petit changement, mais il faut un peu. Dégage. Je suis aplati contre l'arbre. Allez, il est au milieu. Si j'ai bien compris, il faut que je retourne donner cette lettre à un des personnages du château. La prince s'arrêtera là. Hein. Quel virage! Un virage! Me reposer, ok, et c'est pas ça, moi. Alors, sauvegarder 7 heures de jeu. Pouf, allez, dada. Où je vais? Que je vais? Tu l'as connu, Némi? Comment? Ah ah! Suspense! Bah, Némi a regardé une de mes vidéos un jour et
ça commence à partir de là en fait, tout simplement. À poser des commentaires sur une série de vidéos et. Après, c'est parti comme ça et m'a rejoint sur la chaîne après, tout simplement. Efficace, ouais. Tout simplement. Ah, c'est tout con, hein. Nous voilà de retour ici. Bonjour. Et on s'arrêtera là, je pense, en vrai. Je vais boire une bière. Oh, bonjour madame, mademoiselle. Je baisse les oreilles, moi. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Vu que j'ai pas trouvé où c'est qu'on doit aller, c'est bientôt 3 heures, on va s'arrêter là tranquillement. Hein. C'était un bon petit live depuis ce matin. Tranquille. Notre beau héros. Avec notre compère. Camus. Level 10. 7 heures de jeu. Je pense qu'on a bien joué, les amis, on a bien joué. Hein, c'est pas mal, non? Pas mal du tout. Ah. Maintenant il est temps d'aller se reposer, il commence à faire très chaud avec mon spot là, je vous dis pas le bordel. Voilà, de toute façon la rediff sur YouTube, de toute façon voilà, vous la voyez, et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette rediffusion. J'y répondrai bien sûr assidûment, il n'y a aucun souci, toutes les questions sur ce jeu sont bonnes à prendre et j'y répondrai. Voilà, aucun problème, sachez que je n'ai fait que 7 heures de jeu, donc du coup ne me demandez pas la fin du jeu ou autre chose, hein, voilà. Bon, je ne spoilerai pas dans mes réponses, tout simplement. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce live ou cette rediff. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao et bonnes vacances.